Nous avons lancé avec la francophonie un vaste programme pour la formation à distance des enseignants, IFADEM, qui a été d'ailleurs évoqué lors de la francophonie, le sommet de la francophonie à Kinshasa. Et le projet pilote pour la République démocratique du Congo, nous avions choisi les Katanga, parce qu'il fallait aller dans les milieux ruraux. Donc nous avons choisi Kolwezi et Likasi. Nous assistons aujourd'hui à la concrétisation d'une volonté, d'une idée et d'un travail de longue haleine. Cette manifestation, me semble-t-il, est le premier événement francophone depuis la tenue à Kinshasa en octobre dernier du 14e sommet des pays ayant le français en partage. Ce 14e sommet de la francophonie qui a fait date dans notre histoire nationale, mais qui a fait date aussi dans l'histoire de l'OIF, parce que c'était une première en Afrique centrale. Chers collègues enseignants, beaucoup d'entre vous ont parcouru de longues distances, nous le savons. C'est des efforts importants qui sont dépensés dans la conquête du savoir. Je pense qu'il faudra considérer comme ça les efforts que vous déployez. Et lorsque vous êtes en rencontre avec le savoir, le fruit de vos efforts est inestimable en termes de valeur. C'est pourquoi nous vous encourageons à persévérer et aussi à vous préciser que vous êtes des pionniers, puisque vous intervenez dans un dispositif technopédagogique qui est une formation partiellement à distance et aussi l'utilisation des ressources. Tant des ressources numériques, des ressources papier. Les compétences qui sont développées pourraient améliorer la qualité de vos enseignements à travers le stade de l'UFU, bénéficier aux élèves. L'originalité et les aspects innovants, c'est que c'est d'abord c'est une formation, des formations à distance. Mais pour répondre à votre première question, c'est que tout ce qui est à distance avec les nouvelles technologies s'appuie sur l'Internet. Mais comme vous savez, c'est difficile d'avoir Internet partout dans notre province. Et la particularité, c'est que cette formation à distance s'appuie sur une architecture humaine beaucoup plus solide. Donc vous avez les tuteurs, nous avons en tout 27 tuteurs qui sont formés, qui accompagnent, chaque tuteur accompagne 30 enseignants dans sa sphère. Et nous avons 20 animateurs et nous avons encore 12 concepteurs. Donc et puis la particularité toujours, hein, donc ce sont des Congolais. Toutes ces personnes, et ce sont des gens de la province ou de la région dans laquelle se situent les enseignants. Le gouverneur m'a dit de transmettre ce message aux enseignants. Il m'a demandé de vous rappeler que lui-même est pédagogue de formation. Et en tant que tel,
il sait ce que va représenter pour vous la formation dont vous allez bénéficier ici. Et il vous demande de vous distinguer par une assiduité sans faille. Nous avons salué l'initiative ou la décision de la province du Katanga de bénéficier de la formation IFADEM aux enseignants de Kalemi et de Kamina, enfin les provinces éducationnelles, ce n'est pas seulement à Kamina et à Kalemi, mais les provinces éducationnelles de Kalemi et Kamina. Donc c'est une très bonne initiative. Nous avons demandé à ce que la province travaille avec l'IFADEM pour la matérialisation de ces projets. Nous ne pouvons pas distribuer les matériels didactiques qui ne sont pas conformes au programme national. Donc tout ce que nous faisons, nous veillons à ce que ce soit conforme au programme. Oui, moi je viens de Kasaji, juste à Kawayong. En tout cas, je trouve cette formation très bonne. Et je souhaiterais, si à la prochaine, il faudrait que j'y vienne encore. Pour vous, c'est la première formation? Oui, c'est la première formation. Depuis combien d'années de carrière? Bon, ça fait déjà 24 ans de carrière. Effectivement, il y a des innovations quant à voir, il y a de bonnes choses là-bas. Quant à les parcourir, en tout cas, il y aura un bon rendement. L'instituteur puisse enseigner le français en français. Nous attendons d'eux une performance, une compétence, un changement, si on peut appeler ça changement radical. Et ce qui me plaît plus, c'est parce que au départ, on dirait que les instituteurs, bon, ils avaient un bagage, mais on vient encore d'ajouter quelque chose de nouveau sur leurs connaissances. C'est ce qui me plaît. Puis ils participent aussi facilement, sans difficulté, à la formation. Nous avons installé un internat pour pouvoir les regrouper et ainsi organiser la logistique à ce niveau-là. Il y a 5 classes de tutorat. Donc 5 classes où ils sont regroupés par 30 apprenants pour les encadrer et les initier à l'usage des manuels, des livrets conçus par le comité IFADEM. Ils ont reçu également un kit qui va les accompagner avec eux dans leur apprentissage, dans l'accompagnement de leurs compétences et aptitudes d'enseignement et d'apprentissage du français. Et dedans, il y a un dictionnaire, un cahier, un stylo et les trois premiers livrets conçus pour le projet IFADEM. Oh, mama, kiyelele, mama, kiyelele.